Maddy Burciaga et Benjamin Sama vont devoir faire face à une petite épreuve dans leur nouvelle vie de parents. Leur fils, Andrea, s'apprête à vivre une nouvelle aventure, explique la maman sur Instagram lundi 20 mars 2023. Une épreuve qui la stresse un peu. L'amour et la vie de famille tant rêvée, si est-ce qu'on a la chance d'avoir Maddy Burciaga et Benjamin Sama, candidat de télé-réalité. Les deux amoureux de sport se sont rencontrés à Dubaï alors que le Marseillais partait s'exiler au pays des influenceurs. La jolie blonde y était déjà et profitait de ce cadre idyllique pour se remettre de sa rupture avec le youtubeur GMK. De fil en aiguille, ils ont fini par tomber amoureux et ne se sont plus quittés. Mieux, ils se sont dit oui le 3 février 2022 lors d'une cérémonie civile. Quelques mois plus tard, le couple accueillait leur premier enfant. Le 30 septembre 2022, Maddy Burciaga a en effet donné naissance à un petit Andrea après une grossesse sans aucune difficulté. Le couple file de beaux jours dans leur nouvelle maison et a ainsi pu présenter leur enfant à leur chienne Maya. L'opportunité de se faire des copains après 5 mois à ne jamais quitter leur fils, Benjamin Sama et sa compagne vont devoir faire face à une nouvelle étape dans leur petite vie de famille. Je ne vais pas tarder à préparer le sac d'Andrea, parce qu'Andrea va faire sa première journée à la crèche demain, a expliqué la maman sur Instagram lundi 20 mars 2023. Pour le bébé, cette nouvelle expérience va être de courte durée, il va y aller de 9h à 11h, précise Maddy Burciaga. L'idée n'est pas de traumatiser leur bébé, mais plutôt de lui offrir doucement de se sociabiliser à voir d'autres enfants et de participer à d'autres activités jusqu'aux vacances d'été. Pour la candidate de télé-réalité, cette étape sonne comme une véritable épreuve. Je ne vous cache pas que je stresse un peu, avoue-t-elle dans sa story Instagram. Pour le coup, on ne l'a jamais laissé autre qu'à la maison. Point la crèche avec d'autres enfants, j'ai trop peur. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais qu'elles ont l'habitude de s'occuper des bébés, mais le mien si est-il un phénomène. Néanmoins, elle se rassure, son fils va découvrir de nouveaux jeux et pourrait se fatiguer et mieux dormir la nuit.